you still believe that Turkey will enter to the European Union? Siz hala Türkiye'nin olabileceğine inanıyor musunuz? I have the impression that you don't believe it anymore. Ben artık sizin buna pek de inanmadığınız intibana kapılmaya başladım. Siz yaparsanız olur. If you take us in, then okay. Pardon? If you take us in, then we will accept it. Yes, but you know, to go in, it's a common work. Ama üye I would agree with çalışma. A part of Europe doesn't think about like this. Si le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, n'est guère prolixe sur la candidature de son pays à l'entrée dans l'Union, Daniel Cohn-Bendit pourrait bien en être l'un des meilleurs janissaires. De passage à Istanbul début novembre, le chef de file des Verts au Parlement européen est venu tenter de ranimer un processus d'adhésion qui a pu montrer ces derniers temps quelques signes d'essoufflement. Malgré cela, pour les Verts européens, la Turquie continue d'avoir toute sa place en Europe. Démonstration, explication. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir et bienvenue sur Euronews. Nous sommes ici sur la rive européenne du Bosphore. Alors, depuis ici, quelle allure l'Europe a-t-elle ? Disons que l'Europe n'est pas tout à fait comprise vue d'ici. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espoir en Turquie, une partie de la Turquie, dans ce processus d'accession. Et que maintenant, on a l'impression que l'Europe bloque la Turquie. Et donc, ça, par réaction, la Turquie, en fait, n'est plus tellement tentée par l'Europe, ce qui n'est pas un bien. On le sait, vous êtes favorable à l'adhésion de la Turquie. Alors, vous considérez-vous comme une espèce en voie de disparition ? Disons que, nous, pour l'instant, ceux qui défendent la perspective d'adhésion sont en minorité. Une espèce pas en voie de disparition, mais une espèce qui, quand même, est menacée. Mais je crois que si on voit l'importance de la Turquie aujourd'hui, l'importance diplomatique, donc l'importance politique, l'importance économique, l'Europe doit se poser des tas de questions, car, disons, les relations entre l'Europe et la Turquie sont de plus en plus entremêlées. Et on ne pourra pas se sortir du processus simplement en disant un non. Donc je crois que l'avenir va démontrer que l'Europe a besoin de la Turquie et que la Turquie a besoin de l'Europe. Mais politiquement, le fossé se creuse entre les opinions publiques et entre les classes politiques aussi. Moi je crois, oui, enfin il y a en ce moment, mais je crois que quand on voit les tâches qui sont devant nous, c'est-à-dire le problème du Moyen-Orient, les problèmes des négociations aussi avec l'Iran, l'Europe, la Turquie a besoin d'un soutien en fait en Europe et aux États-Unis pour continuer à jouer ce rôle. Ce rôle est reconnu parce que il y a un processus de négociation avec l'Europe. Si ce processus était coupé, aussi la Turquie ne pourrait pas jouer ce rôle. Donc je crois qu'on va revenir dans les mois qui viennent à, disons, un climat beaucoup plus, beaucoup plus apaisé qu'il n'existe encore aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que les négociations d'adhésion piétinent. Les négociations piétinent, donc il faut... Bon, maintenant, il y a en juin les élections en Turquie, mais je crois qu'il faut régler le problème de Chypre, qui sont en fait... Chypre, c'est plus important, et en même temps, ça bloque énormément. Donc il faut pousser à ouvrir qu'il puisse y avoir des échanges économiques directs avec Chypre du Nord. C'est-à-dire, ça, il faut que l'Europe pousse à ouvrir le port et l'aéroport de Chypre du Nord. Alors là, les Turcs vont ouvrir pour les Cypriotes grecs les ports et les aéroports et les ports de Turquie. La Turquie doit faire un effort en réduisant, en ayant un agenda de réduction des troupes turques en Chypre du Nord. Ça peut se régler s'il y a une volonté politique à régler. Nous, notre rôle, c'est de pousser à cette volonté. Comment vous-même convainquez-vous un citoyen de la nécessité de l'adhésion de la Turquie ? Un citoyen, d'abord, il faut convaincre les politiques. Au citoyen, il faut lui démontrer qu'aujourd'hui, vu la mondialisation des échanges, la mondialisation aujourd'hui des économies, une Europe puissance régulant l'économie, régulant écologiquement, a besoin de la Turquie et que, pour les conflits que nous avons avec certains pays musulmans, avec un radicalisme
islamique, etc., pour le conflit au Moyen-Orient, la Turquie peut amener un plus dont nous avons besoin. Voilà comment il faut essayer de convaincre les citoyens. Est-ce qu'il faut aussi se débarrasser des clichés sur le voile ? Les femmes turques ne portent pas des voiles, ils portent un foulard. Les femmes françaises portaient, il y a 50 ans, un foulard à la campagne. Donc ce n'est pas un voile, ils ne sont pas voilés, ils ont un foulard sur la tête. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas le foulard, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est est-ce que nous avons un État séculaire. Et le débat en Turquie sur la prochaine constitution qui va devoir être formulée après les élections en juin sera fondamental. Un État qui protège toutes les libertés des individus, des libertés de croyance, les libertés de non-croyance, les libertés d'orientation sexuelle, ce qui est dans la Charte des droits fondamentaux européens, ça, c'est l'avenir de la Turquie avec ou sans foulard et pas voile. Personne n'est voilé en Turquie. On semble être en ce moment un peu au creux de la vague dans l'histoire entre l'Europe et la Turquie. Alors, est-ce que cela peut repartir? Et si oui, quand? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais évidemment que ça va repartir. Ça va repartir parce que les intérêts communs, l'implication des uns et des autres est trop profonde. Quand, je n'en sais rien, mais il faut notre activité politique, ça doit être de repousser pour que les chapitres de négociation soient réouverts, que les lois en Turquie, les lois sur les syndicats par exemple, des lois soient décidées par le Parlement et qu'après les prochaines élections en juin, il y ait une véritable ouverture constitutionnelle en Turquie. Daniel Cohn-Bendit, merci beaucoup. Pas de quoi. Au revoir.